Le titre du film? Au poste. Au poste. Diese Woche läuft in Frankreich Au Poste an. Der neue Film von Quentin Dupieux, alias Monsieur Oiseau, mit Benoît Poulvorde. Deshalb werfen wir heute einen Blick auf die beachtliche Karriere des belgischen Schauspielers und fragen, worum geht's eigentlich bei Benoît Poulvorde? Hier kommt unsere rein subjektive Antwort in 10 kleinen Häppchen. Sein beachtliches Debüt gibt Benoît Poulvorde 1992 bei den Filmfestspielen von Cannes. In der Rubrik Semaine de la Critique läuft Mann beißt Hund, bei dem er gemeinsam mit Rémy Belvaux und André Bonzel Regie führt. Darin wird Poulvorde tagsüber Briefträger, nachts Serienmörder, rund um die Uhr von einem Fernsehteam begleitet. Ein Kultfilm mit Kultstatements. Da wäre der nach dem Mordopfer benannte Cocktail Kleiner Grégory. Composé d'une petite olive, d'un petit morceau de sucre et d'un petit bout de ficelle. Die Begeisterung für das Werk von Robert Aussin. Und noch ein legendäres Statement zu den Vororten und ihrer Architektur. C'est la couleur de la violence, hein? Alors que le fléau de notre société, et tout le monde s'accorde à le dire, est la violence, ils vont te foutre des briques rouges. Mais le rouge est aussi la couleur du vin, mon vieux. Le vin qui dit vin dit pot de vin. Ouais. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, c'est des histoires de fric. Et ça me désole, hein? T'en sens, tu vas n'importe où avec ta caméra. In den 90ern steigt Benoît Poulvorde allmählich zum Star auf. Zuerst mit Les Carnets de Monsieur Manhattan, einer Sketchreihe fürs Bezahlfernsehen. Dann spielt er in dem Kinofilm Singles unterwegs von Philippe Arel, einen Bergführer auf Korsika. Alors, le plus important, c'est de trouver son rythme, de marcher régulièrement. N'essayez surtout pas d'imiter les autres. Hein? Non, 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 si quelqu'un prend du retard, c'est pas un problème, on l'attendra. On n'est pas ici pour faire une compétition ou je ne sais quoi, on est ici pour profiter de la nature. D'accord? Und ebenfalls zur selben Zeit Rekordjäger von Benoît Mariage, in dem er sich bemüht, seinen Sohn für einen kuriosen Wettbewerb zu begeistern. Da! Allez, plus vite, Michel, plus vite, allez, allez! Accélère, accélère! Ouverture de porte en 15 secondes. Oui, les ouvertures de porte en 15 secondes, Michel. Ça fait 32 ouvertures de porte en une minute, hein? D'accord? On compte sur une heure. Ce qui nous fait 1780 fois 24. Ce qui nous fait un total de 32 780 ouvertures de porte en 24 heures. Et le record du monde est de 41 827. Avec une porte bien huilée, Michel, tu deviens le nouveau champion du monde d'ouverture de porte. Zu Beginn der 2000er ist Benoît Poulvorde in einer Komödie von Alain Berberian zu sehen und in einem Film von Christian Meret-Palmer, in dem er souverän eine beige Badehose zur Schau trägt. Gentlemen, welcome in the club. Dann steht er erneut für Philippe Arel vor der Kamera. In Das Rennrad verkörpert er einen überkorrekten Radfahrer, der es schwer hat auf der Rennstrecke. Dann, ein paar Tage später, einen nicht mehr ganz so korrekten Radfahrer, der auch weniger Probleme auf der Strecke hat. Attention, Monsieur les coureurs, prêt pour le départ. Benoît Poulvorde spielt zudem in einer Komödie mit Vanessa Paradis und im ersten Film des Duos Benoît Delépine, Gustave Kervern. Es folgen originelle Auftritte als Karatelehrer in Narco, die wunderbare Welt des Gustave Klopp. Double croisé, retournement, coup porté, doigt mortel. Aber auch als Erste-Hilfe-Lehrer im Gespann mit Jean-Marie Lamour in Rire et Châtiment. Je vous présente Michael. Michael va m'épauler tout au long de cette mission. Ce que nous allons essayer de faire, Michael et moi-même, c'est de vous inculquer les gestes élémentaires de tout bon secouriste. Erwähnung verdient auch seine Rolle als Banker Bernard Frédéric,
der in Podium als Claude-François-Imitator singt und tanzt. Auf der Bühne wie im Büro. Monsieur Frédéric, excusez-moi. Je dois vous rappeler que la réunion a lieu à midi très précisément. La pendule de l'entrée s'est arrêtée sur midi. Et à ce moment très précis où tu m'as dit je vais partir. Et puis tu es parti, j'ai cherché le repos. J'ai vécu comme un robot. Mais aucune autre n'est venue remonter ma vie. Là où tu vas, tu entendras, j'en suis sûr, tant d'autres voix qui rassurent. Mes mots d'amour, tu te prendras au jeu des passions qu'on joue. Mais tu verras d'aventure le grand amour. Vous ne venez pas? Benoît Poulvorde ist Mitte der 2000er in einer Komödie von Édouard Baird zu sehen und in einer von Philippe Leguay. Und er wagt einen bemerkenswerten Genrewechsel mit Entre ses mains von Anne Fontaine, mit dem ihm der Durchbruch als Charakterdarsteller gelingt. Darin unterhält er eine undurchsichtige, von einem Mordverdacht getrübte Beziehung zu Isabelle Carré. Sie tanzt, er weniger. Sie singt, er weniger. Sie redet, er weniger. Oh, j'ai trop bu, j'ai plus l'habitude. C'est drôle, à certains moments, vous parlez. Tu parles beaucoup, et puis à d'autres moments, tu dis plus rien. Ouais, je sais. Il y a des jours où je peux me taire très longtemps. C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Normalement, je m'arrange toujours pour savoir un peu où je vais. Ende der 2000er spielt er in einem Film von Nicole Garcia und in einem von Patrice Leconte. In Asterix bei den Olympischen Spielen träumt er als Brutus davon, Cäsars Platz einzunehmen. Vor allem aber leiht er Steven seine Stimme in dem abgefahrenen Animationsfilm Panik in der Pampa von Vincent Patard und Stéphane Aubier. Voilà, c'est la pite. Steven, tu es en état d'arrestation. Ah, comment ça? Tu dois aller en prison parce que tu as volé leur mur. Comment? Comment? En prison? Tu déconnes ou quoi? Qu'est-ce que je fais des murs? J'en ai des murs! J'en ai des murs! Steven! Steven! Dann trägt Benoît Poulvorde einige hochkarätige Zweikämpfe aus. Mit Gérard Depardieu bei Safi Nebu und noch einmal unter der Regie von Delepine und Kerverne. In Nichts zu verzollen von Danny Bohn liefert er sich als Zöllner und Franzosenhasser ein hitziges Duell mit Danny Bohn. Dégage. Ruben Van Voorn, merde. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de se parler gentiment juste une fois? Refais l'accent belge. Et je t'explose ta gueule, t'as compris? Mais j'ai pas fait l'accent belge. Alors? Mais une fois, une fois. Mais je te jure que je faisais pas l'accent belge. Non, je fais l'accent belge une fois, oui, ça je sais, frère. Mais avant, je ne faisais pas l'accent belge nord de frette. In Mein liebster Albtraum schließlich, noch einem Film von Anne Fontaine, steht er Isabelle Huppert gegenüber. Er, der Handwerkertyp, sie, die Intellektuelle. Oula. C'est classe, hein? C'est facilement 200 mètres carrés, ça, non? Vous voulez mesurer? Der Handwerkertyp und die Intellektuelle. Voilà, mais ça, c'est une connerie. C'est une connerie de photographier une fleur en noir et blanc. Parce qu'une fleur, ça ne se photographie jamais en noir et blanc. Non, une fleur, c'est la couleur, c'est la vie. C'est comme si je baisais un top modèle et que j'éteignais la lumière, c'est pareil. Depuis quand tu t'y connais en top modèle? Qu'est-ce que vous foutez là? Eh ben, je regarde une exposition. C'est open bar, je me rince la gueule et je divertis vos invités. Ah, bonjour, madame. Ça va? Oui, ça va. Danach wirkt er in einer Komödie von Nicolas Charlet und Bruno Lavenne mit, dann in einer von Jean-Paul Rouve. Es kommt zu einer erneuten Zusammenarbeit mit dem Duo Delepine-Kerverne. In Der Tag wird kommen irrt er als Punk mit Hund durch ein Gewerbegebiet. Bildet ein ungleiches Gespann mit seinem Bruder Albert Dupontel. Qu'est-ce que t'as foutu avec mes cheveux? Ein Gespann, das sich am Rande bewegt. Ich te rappelle que tu t'es fait cramer la gueule et personne n'en avait rien à foutre. Und ein Poulvorde, der so ungehemmt spielt, dass er damit Kultstatus erlangt.
Im Anschluss steht Benoît Poulvorde für Hélène Filière vor der Kamera und für Fabienne Gaudet. Dann noch einmal für Benoît Mariage als recht kritischer Talentscout in Les Railleurs du Sèbre. C'était du tout petit football. Du tout petit football. In dem Drama Drei Herzen von Benoît Jacquot verliert er sich zwischen zwei Schwestern. Je m'y suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime. Jamais je ne t'oublierai. Und schließlich schmiedet er in The Price of Fame von Xavier Beauvoir einen skurrilen Plan. Er will Chaplins Leichnam entführen, muss aber noch seinen Komplizen Roche Dizem davon überzeugen. Mit Worten und Musik. Du sais combien il gagnait chez les Chaplin, le son vivant, sans rien faire avec tout ce qu'il avait déjà fait. Quand il passait un peu au cinéma où il y avait une photo de lui, tu sais combien il gagnait 80 millions. Mais c'est des conneries, ça. Mais c'est des conneries. Je sais pas où tu as vu ça, c'est des conneries. Unlängst hat Benoît Poulvorde in einer Komödie von Yvan Attal gespielt und in einem Film von Jaco van Dormaal, in dem er keinen geringeren darstellt als Gott. Dann folgt noch ein Film des Duos de Lepine-Kervern, Saint-Amour, Drei gute Jahrgänge, mit einer Weinreise auf der Landwirtschaftsmesse. C'est quelque chose, faut prendre le temps, faut le déguster. C'est quelque chose qui s'apprécie un peu sur la longueur. Je vais reprendre une chasseur. T'es sûr? Parce que la route est longue. En cinq salons, on n'en a terminé aucune, alors pas faux. Doch dann unternimmt er eine richtige Weinreise mit Gérard Depardieu und Vincent Lacoste. Unterwegs kommt es zu einigen kuriosen Begegnungen mit einer entschlossenen, von Ovidie gespielten Maklerin. Fenêtre double vitrage. Mit einer multitalentierten Bedienung, verkörpert von Solène Rigaud. Ja, Bruno, je m'étais dit que je vais t'aider. Non, mais je vais t'aider. Und einem nicht minder multitalentierten Airbnb-Vermieter, dargestellt von Michel Houellebecq. Ja, là, vous avez le choix. Bon, mais je vous retrouve demain matin au petit déjeuner avec un grand bonheur. Oui. Oui. Je vais prendre le gonflé. All das ist Benoît Poulvorde. Eine bunte Filmografie. Vor allem jedoch ist da noch ein Film, den wir uns fürs Ende aufgehoben haben. Die anonymen Romantiker. Isabelle Carré und Benoît Poulvorde. Er der Chef, sie die Angestellte. Und beide krankhaft schüchtern. Schließlich bricht das Eis bei einer Schokoladenverkostung. D'abord, c'est comme si le goût se retenait. Déjà, et après les arômes explosent, les uns après les autres dans la bouche, hein, comme une sorte de caresse douce amère. Suave. Langoureuse. Und dann bei einem Restaurantbesuch, der zum Konzert wird.
dans tes grands yeux noirs. Je me suis perdu, j'attends un regard, un cœur suspendu. Je t'aime tellement fort, toi qui me fais peur. Et ça mauvais sort, ou la mauvaise heure. Et autour de nous chantent les tziganes. Tout le monde s'en fout, s'enivre au champagne. Dans tes beaux yeux noirs, je sombre mon amour et mon désespoir. Alors chant et sourd, je perds la raison à chercher tes bras brûlant de passion. Viens, embrasse-moi et tes grands yeux noirs, étrange lumière, un imbécile soir de tous les mystères. C'est toi que je veux, je sais que j'ai tort. Je suis malheureux de t'aimer si fort. Tes yeux noirs de feu, je ne peux rien y faire. M'entraîne malgré eux dans ce doux enfer. Je suis fou de toi, ma belle aux yeux noirs. Même si je ne sais pas où va notre histoire. C'est pour ma passion, les yeux noirs, que j'ai fait cette chanson. Oh, Chicharne.